Bonsoir à tous, détendez-vous, installez-vous confortablement. Que diriez-vous maintenant d'une petite séance de révision? Vous êtes prêts? Alors c'est parti, voici Question pour un champion, présenté par Julia Lopez. Bonsoir à tous. Un très grand bonsoir. Stop. Je suis heureux. Écoutez, j'ai le droit de le dire. Quand je suis heureux, c'est ça. Alors, je suis heureux de vous présenter cette émission depuis déjà pas mal de temps. J'ai l'impression, je sens que ça va être une bonne émission, un bon jeu. Question pour un champion. Donc, installez-vous, ça va commencer. C'est parti pour une petite demi-heure. Question du jour, elle est pour vous. Dans quelle ville de France se déroule au mois de juillet le festival musical des Francofolies? Dans quelle ville? La Rochelle, Rennes. La Rochelle ou Rennes? À vous de jouer. Vous avez la réponse. Vous appelez au 32-45 pour essayer de gagner la somme de 500 euros. Le 32-45 pour la réponse avec une télévision à écran plat, s'il vous plaît. Bonne chance et Claude arrive. C'est une forme, hein, là. Oui. Physique, hein? Bonsoir, tout bien. Vous êtes bien posé, vous avez passé un bon week-end? Tout à fait. Nous sommes lundi, on redémarre une nouvelle semaine et j'espère que vous allez rester avec nous longtemps cette semaine. Ça voudra dire que tout se passe bien. Hein. Présentez-vous rapidement. Bien, je m'appelle Claude, je viens de Fréjus, dans le Var. Je suis formateur pour des animateurs de clubs de vacances. Et combien y a-t-il dans la cagnotte, Claude? 26 200 euros. 26 200 euros et c'est parti! Oui, Julien, et on commence tout de suite par cette fidèle supportrice de l'équipe de basket du petit village de Gosse dans les Landes. C'est une passionnée d'art et de musique, elle habite Dax, voici Jacqueline. Si vous adorez le groupe Ange, le groupe français mythique de Christian Descamps, vous aimerez forcément notre champion, fan de toujours de ce groupe venu de Belfort. Raphaël est professeur de lettres, habite Château-Salins en Moselle, on lui souhaite bonne chance. Elle est étudiante à l'école du Louvre, passionnée d'art et de cinéma. Elle souhaite devenir scénariste et pour elle, la véritable histoire commence maintenant. Voici Caroline. Allez, c'est parti. Voici la première épreuve, le naufragé. Lors d'un accident matériel entre deux véhicules. Monsieur. Un constat. Ah oui, un constat amiable. Quel document juridique doit être rempli par les deux conducteurs afin d'établir la part de responsabilité de chacun? C'est le constat. Un point. Quelle est la portion de la Méditerranée occidentale qui est comprise entre la péninsule italienne, la Corse, la Sardaigne? Jacqueline. L'Adriatique. Et la Sicile. Raphaël. La Méditerranée. Oh non. Oh non. Là, je suis étonné. Là, vraiment. Je suis très étonné. Voilà. L'Adriatique. La Tyrrhénienne, bien sûr. C'est la mer tyrrhénienne. Quel groupe de rock américain mené par la chanteuse Amy Lee qui a signé l'album des Open Door fin 2006? Comment s'appelle ce groupe de rock américain? What is name? Comment s'appelle-t-il? Evanescence. Comment appelle-t-on la tôle fine d'acier doux recouverte d'étain qui sert dans l'industrie alimentaire à fabriquer les boîtes de conserve? Oui, Raphaël. Le fer blanc. Le fer blanc, bien sûr. Comment appelait-on autrefois les hôpitaux où l'on recevait les lépreux? Jacqueline. Une maladrerie. Maladrerie, d'accord. Léproserie, ladrerie ou maladrerie, tout ça c'est bon. Comment appelle-t-on les câbles servant à maintenir le tablier d'un pont? Un pont, mademoiselle. Les piles? Non. Les piles, c'est non, oui. Les filins? Non. Vas-y, là-bas. Les lingues? Non. Un pont, les câbles servant à maintenir le tablier d'un pont? Les haubans. Ah. Jusqu'en mars 2007, de quel célèbre sculpteur français expose-t-on diverses œuvres érotiques dans le musée parisien qui porte son nom? Raphaël. Auguste Rodin. Rodin, très bien. Auguste Rodin. En 1950, dans quel film américain le mari de Deborah Kerr a-t-il disparu en Afrique en cherchant des mines de diamants? Les mines du roi Salomon. Les mines du roi Salomon. D'accord. En octobre 2001, donnez-moi cette joueuse, une joueuse de tennis, octobre 2001, américaine, elle devient numéro 1 mondial. Raphaël. Capriati. Oui, Capriati, d'accord. Elle devient numéro 1 mondial quelques mois après sa victoire à Roland-Garros, Jennifer Capriati. Raphaël est en tête. Dans l'Égypte ancienne, quel est ce canidé charognard qui était le dieu des embaumeurs? Le chacal. Caroline. Le chacal. Chacal, c'est bon.
Ça y est, tous les candidats sont partis. Nous sommes en 1919 en France. 1919. Quel nom donné à la Chambre des députés françaises fait allusion, Claude ? La Chambre introuvable ? Non, allusion à la présence d'anciens soldats. La Chambre, en 1919 en France, la Chambre Bleu Horizon. À quel scénariste belge de bande dessinée disparu en 89 doit-on les personnages de Buck Danny et de Tanguy et La Verdure ? Scénariste belge. Tanguy, La Verdure, Buck Danny, Charlier. Jean-Michel Charlier. De quelle longue perche se sert-on pour faire tomber les fruits d'un arbre ? Les fruits. Oui, Jacqueline ? Une gaule. Une gaule, très bien. Quel est ce mot tiré de l'arabe qui désigne une préparation médicamenteuse liquide ? Oui, Claude. Un sirop. Non, tiré de l'arabe, allons-y, vous savez où là ? Grog ? Non, grog, sirop, c'est non, allons-y. Deux chances encore, oui, Raphaël ? Liqueur. Non, liqueur, c'est non. Allons-y, Jacqueline. Elle a la pression, Jacqueline. Elle échoue. Je ne sais pas. Élixir. Un élixir. Un élixir. Château. Quel est ce château du Val d'Oise, bâti de 1538 à 1555 pour le connétable Anne de Montmorency, qui abrite aujourd'hui le Musée national de la Renaissance. Musée national de la Renaissance, là-bas. Dampierre ? Non. Dampierre, c'est non, oui. Fontainebleau ? Non. Là-bas, Jacqueline. Écoin ? Vous dites ? Écoin. Le château d'Écoin. Comment ça s'écrit, Écoin ? E-C-O-U-N. E-C-O-U-E-N. Exactement. Château d'Écoin, d'accord. C'est bon, Jacqueline. Le château d'Écoin. Dans le nord-est de la France, quel mot dérivé de terre désigne le grand tas de remblais ? Vous savez, Jacqueline ? Un terril. Terril, d'accord. Ça désigne le grand tas de remblais situé au voisinage d'une mine, le terril. Jacqueline mène la course, 7 points. Raphaël, 5. Ce chanteur, révélé par son rôle de Moïse dans les 10 commandements, qui sort l'album Le Cœur Ouvert en 2005, comment s'appelle ce chanteur, Raphaël ? Daniel Lévy. Daniel Lévy, d'accord. Daniel Lévy, bien joué. Raphaël, Jacqueline, 7-7. À quel massif montagneux la minorité de langue allemande, établie sur le pourtour des pays tchèques, est-elle associée ? Clean. Elle ne le sait pas. Les autres, là-bas. Les Carpates ? Non. Raphaël, Caroline, je repose la question. Pour tout le monde, et voilà une question qui fait chuter les candidats. À quel massif montagneux la minorité de langue allemande, établie sur le pourtour des pays tchèques, est-elle associée ? Les monts des Sudètes. Dans quelle enveloppe de tissu glisse-t-on ? Un oreiller ? Un oreiller ! Oui, Claude ? Une taie. Une taie. Caroline des Tortards, comment appelle-t-on une introduction officielle, nominative, personnelle, accordée à un journaliste pour suivre un événement ? Jacqueline. Une accréditation. Accréditation. Voilà ! C'est gagné ! Raphaël, Caroline, Claude, donnez-moi cette variété d'huîtres plates à la saveur fruitée qui est cultivée dans le bassin de Thau. Bassin de Thau, Claude, Raphaël, Caroline, personne. La bousigue. En photographie, quelle solution de développement rend visible l'image latente ? Le révélateur. Le révélateur, d'accord. Caroline, allez, allez. Dans la mythologie grecque, quel roi de Chypre tombe amoureux de la statue qu'il a sculptée ? Oui. Midas ? Non. Allons-y, Raphaël. Pygmalion ? Pygmalion, d'accord. Oui, Raphaël. C'est bien. 7-1. Quel mot définit la conclusion que l'on tire d'une fable ? La conclusion d'une fable, oui ? La morale ? Morale, d'accord. Ça y est. Non, là, elle a bien joué. En plus, elle n'hésite pas une seule seconde, elle joue vraiment bien. La morale, c'est bon. 7-4. Quel homme politique français surnommé le Tigre négocie... Ah oui, là-bas ! Clémenceau. Ah oui, Clémenceau, d'accord. Embrassez-vous tous les deux. Terminé.
quel homme politique français surnommé le Tigre négocie le traité de Versailles? C'est Georges Clemenceau, pas de problème. Caroline, 24 ans, étudiante en troisième année d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Tout le monde me parle de cette école du Louvre. Mais qu'est-ce que c'est que cette école? Allez-y, expliquez-nous, présentez-la nous. Donc c'est une école publique sur laquelle on rentre sur concours, dont les locaux sont situés au Louvre et donc qui forment à être conservateur du patrimoine ou à travailler dans les musées. C'est une des plus anciennes institutions en histoire de l'art. Et vous partagez votre temps entre les cours, j'imagine, et la visite des musées. Tout à fait. La moitié des travaux dirigés, en fait, se font devant les œuvres. L'école du Louvre. Merci, Caroline. Merci. Un bonjour à votre frère, Eric et Cadeau. Caroline, avec la collection Je peux le faire en trois volumes de Larousse, réalisez vos envies. Des guides illustrés comportant de nombreux conseils pratiques pour améliorer son intérieur ou refaire sa décoration. Et pour que vos nuits soient belles, Cadeau. Eh bien, Tempur, matelas et oreiller d'allègement de la pression vous offrent ce pack de deux oreillers ergonomiques à mémoire de forme pour le confort de vos nuits. Et voici maintenant l'épreuve du questionnaire, c'est bien sûr le 4 à la suite. Mes amis, vous connaissez cette émission par cœur, il y a trois phases de jeu, les 9 points gagnants, les 4 à la suite et le face-à-face final. Alors 4 à la suite avec ce soir... Le roseau. Les examens médicaux. Les arts et les traditions d'Irlande. Les films avec Michel Galabru. Il y a de quoi hésiter là. Oui. Le roseau. Ah, c'est vous qui décidez, madame. Le roseau. Allez, Jacqueline, le roseau. Je vous ai pas interrompu dans votre réflexion intense. Méditation, oui. Oui, dans votre méditation même. Donc, le roseau. Allons-y sur le roseau. Jacqueline, vous étiez comptable. J'étais comptable. Deux enfants, une belle famille qu'on salue. Mmh, bien sûr, je rembrasse mes enfants. Voilà, et Françoise aussi. Et Françoise qui est dans la salle. Et la ville de Dax. Qui m'a accompagnée, la ville de Dax, oui, bien sûr. Les Landes. Où j'habite. On n'en parle pas des Landes, on en parle très peu. Peu, c'est dommage parce que Dax est une très belle ville, une ville très festive. Oui. Une ville festive avec le rugby, les arènes, énormément de monde au moment des fêtes de Dax. Vous avez 500 000 personnes qui viennent l'été. Alors que la ville normale, c'est 30 000, non? C'est 20 000, 20 000. C'est 20 000 habitants. 20 000 habitants, c'est une petite ville, mais réellement qui prend une dimension mondiale à ce moment-là. Tous les gens viennent pour pouvoir assister à ces fêtes. Alors, les férias, six jours de danse. De danse, de musique, de jeux. Convivialité, séjour et nuit en plus. Hein. Absolument, absolument, oui. Tout ça, c'est la ville de Dax, les Landes, le beau département des Landes. Et Jacqueline, êtes-vous prête? Oui, tout à fait. Alors, c'est parti, 40 secondes. Le roseau. Top, quel artisanat fabriquant des objets tressés utilise aussi le roseau comme matière première? La vannerie. À quel philosophe doit-on la métaphore du roseau pensant qui fait référence à la faiblesse et à l'orgueil de l'homme? Quel philosophe? J'ai oublié. En Provence, quel nom porte les clés faites de roseaux entiers ou fendus utilisés comme coupe-vent? Non, je ne sais pas. Quel nom donne-t-on au roseau des étangs reconnaissable à son manchon brun velouté très décoratif? Un jonc. Dans une fable de La Fontaine, quel arbre se compare au roseau avec les mots Le chêne. Tout vous est acquis donc. Le chêne. Comment appelle-t-on un lieu où poussent des roseaux? Une roseraie. Dans l'Antiquité, comment appelait-on le roseau taillé utilisé pour l'écriture? Dans l'Antiquité, comment appelait-on le roseau taillé utilisé pour l'écriture? Réponse. Personne n'a la bonne réponse visiblement. Le calame. Ah non, je ne savais pas. Calame, Jacqueline, voilà. Et nous avons un point pour Jacqueline. Comment appelle-t-on un lieu où poussent des roses?